Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose le tirage sentimental pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, les Sagittaires. Et je vais démarrer pour vous avec l'oracle, le tarot de la bienveillance. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020, quel est le message de l'oracle? Dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la carte de l'empereur. Peut-être recherchez-vous la stabilité, avoir un cadre structurant peut-être pour dans votre vie sentimentale, où votre vie sentimentale est à ce rôle-là, c'est-à-dire vraiment, ça vous cadre, ça vous structure, ça vous... Votre vie s'organise peut-être un petit peu autour de ça. Alors, on démarre avec le 3 de terre. Donc, le 3 de denier. On a l'impression ici que vous travaillez à ce que à une relation. Ou éventuellement, si ce n'est pas travailler à une relation, si ce n'est pas essayer de, voilà, de faire en sorte que ça fonctionne avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement que, comment dire, c'est peut-être une relation qui vous pèse un petit peu et c'est, ça va pas de soi. C'est, ça vous demande des efforts. Je le verrais plutôt comme ça, sachant que ça s'enchaîne avec le 9 d'air ou en tout cas votre célibat. Voyez, c'est subi peut-être hein, parce que voilà, vous faites tout pour essayer d'en sortir, mais en même temps, c'est source d'angoisse, parce que le 9 d'air, c'est quand on se prend vraiment la tête et que on a du, on n'arrive plus vraiment à réfléchir, à penser. Quand je vois le 4 d'eau là, c'est peut-être que il y a une, si vous êtes dans une relation, voyez ça, je vous disais, ça va pas de soi, c'est pas. Ça vous demande des efforts. Du coup, on se prend la tête et c'est possible que vous vous ennuyez dans cette relation. La carte du 4 d'eau, c'est souvent quand il y a une lassitude, que c'est plan-plan routinier. Je ne verrais pas ça comme une stabilité, mais plutôt comme quelque chose, on se dit, ça va être long. Vous voyez, le truc, si ça ne change pas et si ça reste comme ça... Ou alors ceux qui sont en célibat, c'est voilà. Ouh là là, il va s'en passer des choses. Alors, regardez, vous avez la carte ici de la justice et la carte de la tour. Moi, il me semble que vous voyez cette chose qui ne va pas de soi, qui vous demande des efforts, qui vous prend la tête et dans laquelle vous vous ennuyez, peu importe si vous êtes en couple ou célibataire. J'ai l'impression que là, avec la carte de la justice, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. La justice, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est la justice, mais c'est envers soi-même. C'est l'arcane qui arrête le fou dans son cheminement et qui lui dit « Maintenant, dis-toi la vérité, arrête de te mentir et sois juste envers toi-même. T'es là pourquoi ?» Elle oblige, en fait, le fou à se poser les bonnes questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es toujours avec cette personne alors que, en fait, c'est prise de tête, c'est l'ennui, ça demande un effort. Normalement, en amour, on est porté par l'amour et ça ne doit pas demander des efforts. Donc, j'ai l'impression que cette prise de conscience fait que je boum. Là, il y a tout qui s'écroule parce que la tour... Voyez-vous, c'est quelque chose qui... un changement brutal, soudain. Pour moi, c'est une prise de décision. Et là, vous prenez tout ce qu'il y a sur la table et vous faites vlan, 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 comme ça, là. Voyez, c'est rideau, stop, j'arrête. Ça se termine comme ça, donc je sais pas. Je sais pas, mais de toute façon, la décision... Pour moi, c'est vous qui quittez, c'est vous qui la prenez. Hein. Si ça concerne des personnes qui... voyez, ce n'est pas vous qui êtes quitté. Parce que si j'avais d'autres cartes,
Mais là, la carte de la justice, c'est vous envers vous-même. Donc, pour moi, vous arrêtez de vous mentir et vous finissez par faire un choix qui est lourd de conséquences parce que avec la carte de la tour, c'est pas un choix anodin. On détruit tout ce qui ne va pas pour rester sur des bases vraiment solides. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, qui est ébranlé avec la tour. Donc, s'il y avait une stabilité, comme ici, on pouvait avoir le 4, qui était malgré tout la carte, une carte d'ennui, de lassitude, et on termine sur la tour, ben, en fait, là, c'est remis en question, hein. Alors, ici, vous avez la carte 26 dans l'oracle d'Algariel qui s'appelle la carte de la vitalité. Ça nous parle de sérénité, d'harmonie, d'épanouissement et de réconciliation. Alors, je vais voir la suite parce que ça ne correspond pas tellement à la lecture de cette première partie. Alors, pour les. Oui, en fait, vous trouvez, moi je pense que, si ça y est, j'y suis. Voyez, comme ça vous demande, je disais, des efforts, cette relation. Elle ne va pas de soi. Et là, cette carte de la vitalité, je pense que c'est l'énergie que vous mettez pour soutenir vraiment quelque chose. On dirait que vous êtes, si vous êtes dans une relation, vous faites tout pour pas qu'elle tombe, là. C'est comme si vous transportiez une table avec plein de verres dessus ou un plateau et vous faisiez en sorte qu'il n'y en ait rien, qu'il n'y en ait aucun qui tombe. Mais ça vous demande une énergie folle de vous déplacer avec autant de verres et autant de poids. Et voyez, là, ça nous parle de travail, vitalité. Je pense que vous mettez vraiment une énergie à vous maintenir dans une relation. Ça vous prend la tête et là, l'issue est proche. On va sortir du tunnel, on va vers du mieux. Et c'est parce que je pense que vous prenez conscience de certaines choses, que les choses ne changeront pas. Voilà, c'est ça. En fait, peut-être que vous vous dites, bon allez, je fais encore des efforts parce que il va finir ou elle va finir par changer, ça va aller mieux et tout. Et en fait, ça ne change pas. Parce que le 4, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Le 4, c'est la stabilité. Si on a une chaise sur quatre pieds, elle tient bien en équilibre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas bancal. Ici, là, vous voyez que ça ne changera pas. Et du coup, vous vous dites, non, mais si ça change pas et que ça ne me convient pas, c'est moi qui dois changer. Et c'est pour ça que vous allez certainement remettre en question quelque chose avec la carte de la tour. La carte de la tour, c'est aussi quelque chose qui arrive de l'extérieur. Alors, autant vous prenez là conscience que ça ne va pas et ça peut être vous qui remettez en question l'ordre existant, mais la tour, c'est souvent quand même un événement qui provient de l'extérieur. Ou en tout cas, ça peut vouloir dire qu'une fois que vous avez pris conscience de ça, il y a quelque chose qui va vous arriver dans la foulée, quoi. Alors, vous avez dans l'oracle d'Algariel la carte de la tour. Ça parle d'amour, enfin, stable, puissant, sincère. Alors, on va enchaîner pour voir. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de plus juste envers vous-même. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous respectiez davantage dans la décision que vous allez prendre parce que vous tranchez une situation et vous le faites en votre âme et conscience. Moi, pour moi, vous arrêtez de vous mentir. Ça revient à cette carte-là de la justice parce qu'il y a une notion de sincérité. Et ça parle d'un amour sincère aussi, mais pour moi, là, ça voudrait dire que vous arrêtez de vous mentir. Si vous vous aimez, si vous avez un minimum d'amour-propre et que vous devez, enfin, voyez, vous devez vous faire justice, être juste envers vous-même. Et là, c'est cette sincérité. On arrête de se mentir là. Il faut arrêter de se mentir. C'est pour ça. Vous sortez du tunnel. Vous arrêtez de vous mentir parce que cette relation, elle ne va pas de toute façon. Alors.
Ici, il y a quelque chose, franchement. Bon, là, la carte de l'escalier parle d'une évolution positive, de quelque chose que vous envisagez maintenant à long terme. Celle-ci, c'est la carte de l'accident entre la carte de la tour, là, et de l'accident. Il y a quelque chose qui. De violent, quoi, de destructeur, de. Pour moi, c'est une carte d'une énergie passée. C'est, vous voyez, comme si une relation. Un passé douloureux, eh bien, vous allez. Il y a tout qui va se. Il y a tout qui va s'effondrer et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, il y a. Je vous. Enfin, pour moi, il y aurait quand même une rupture vraiment, hein, là. Ceux qui sont en couple entre la tour et l'accident, ça se. Vous décidez d'anéantir, de balayer quelque chose. Il y a une rupture. Et c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et la carte de la justice, vous voyez, ça démarre un nouveau cycle. C'est pour ça que c'est à la fois l'ancien qui se termine, et avec la carte 16, vous voyez, on démolit tout pour pouvoir repartir sur de bonnes bases soi-même. Alors, je vais voir avec le Rider-Waite pour les Sagittaires. Alors, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est assez idéaliste. Moi, je dirais que vous cherchez quelque chose de plus idéal parce que vous avez de toute façon conscience, comme je disais tout à l'heure, que la personne ne changera pas. Vous vous prenez la tête, ça vous demande des efforts et vous êtes en quête de votre idéal, les Sagittaires. Ceux qui sont célibataires, j'ai pas l'impression que c'est ce mois de décembre là qui soit propice pour une rencontre, hein. Je ne le vois pas comme ça. En tout cas, pour les célibataires, il y a du changement vraiment à toute fin de mois. Il y a quelque chose, un événement brutal qui va se produire, quelque chose qui va vous secouer. Alors ça, on va voir comment ça pourrait évoluer, hein, au mois de janvier. Mais ici, vous avez le roi de deniers. Alors, le roi de deniers, avec cette carte, on dirait que vous cherchez à sortir d'une situation. En fait, c'est comme si vous travailliez pour vous. Vous allez plus penser à vous. Même et pas penser le couple. Voyez, si vous êtes en couple, vous allez arrêter de penser pour deux. Vous allez penser pour vous-même. Oui. Alors, vous avez la carte des amoureux. Ça nous parle du choix que vous faites là, hein, avec la prise de conscience. Pour moi, vous allez, voyez, faire un choix qui est un choix du cœur. Et ça va vous demander de prendre le dessus sur une situation, de contrôler quelque chose, de maîtriser quelque chose avec la carte de la force. Ah ben, le valet de deniers. C'est bien qu'on termine par le valet de deniers parce que je vous disais, c'est la fin de quelque chose de destructeur, de douloureux, qui fait de la peine. Ça, c'est quelque chose, la carte de la tour, c'est quelque chose qui arrive vraiment soudainement et tout ça. Quand je dis fin et début, c'est d'autant plus confirmé que vous avez un valet parce que le valet, c'est tout au début de la hiérarchie des figures. Et donc, on prend un nouveau départ, on trouve sa voie. Alors, comme c'est votre anniversaire, les Sagittaires, je vais vous rajouter quelque chose pour vous ce mois-ci. Alors, je prends un autre oracle, c'est l'oracle d'Hildegarde, et je vais compléter ce tirage en demandant si pour les célibataires, il y aura une rencontre, des perturbations, le travail.
Cette carte, vous voyez, travail, force. Cette carte-là, ça nous parle justement le 3 de terre de travail. Et la carte de la force, vous l'avez ici aussi. Donc, j'ai l'impression que vous vous attachez, vous vous attelez à dépasser une situation qui serait peut-être déséquilibrée, déséquilibrante. Vous œuvrez vraiment pour ça. Alors, les Sagittaires vont-ils rencontrer quelqu'un au mois de décembre? Les célibataires rencontreront-ils quelqu'un? Justice à nouveau. Deux fois, la carte de la justice. Amour! Ouh! Alors, vous voyez, pour moi, là, ça c'est pareil. Ça se décale. C'est-à-dire que là, c'est comme si on était ici. Parce que là, vous avez, ça nous parle de prise de conscience et de justice. Après, quelque chose de compliqué, une situation de laquelle vous avez cherché à vous sortir, à vous extraire. Alors, et c'est peut-être de ce célibat, vous avez... Ah bah, éveil guérison, superbe. Allez, une autre. Pour les Sagittaires au mois de décembre 2020, une rencontre. Oui, c'est bon. Alors, regardez. Silence, solitude, renouveau, renaissance. C'est la fin de la solitude, mais je dirais... Parce que là, j'ai tiré beaucoup plus de cartes. Et quand je vous disais, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau, on est déjà au mois de janvier, là, pour moi, 2021. Donc, je dirais que c'est plutôt deuxième quinzaine du mois de janvier que les choses voilà, vont se débloquer, vont se pouvoir se mettre en place. Il y a toutes les chances que vous rencontriez l'amour après tout ça. Là, mais ça, on est encore en décembre. Pour moi, c'est fin décembre et sur le mois de janvier que les choses se débloquent parce que vous sortez de la d'une situation qui était bloquée, sclérosée, de l'inertie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, eh bien, écoutez, va falloir juste patienter votre mois anniversaire et à la fin, tout va bien. Voilà les Sagittaires, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à regarder les tirages trimestriels, décembre, janvier, février 2021, le tirage professionnel. Voilà, tout ça pourra peut-être vous aider. Je vous remercie pour votre écoute. Encore un joyeux anniversaire, bonne fête de fin d'année et rendez-vous en 2021 sur Parole d'Oracle. Merci, au revoir.